En fait, le recensement ne doit oublier personne. On doit recenser toutes les personnes qui vivent en France au moment du recensement. Pour ce faire, l'INSEE et les communes mettent en œuvre une procédure particulière. Le recensement de ces personnes se fait sur les 2 premiers jours de la collecte, parce que par définition, mais elles peuvent bouger, elles peuvent changer de commune, donc il faut qu'on puisse les prendre à un moment donné. L'agent recenseur, donc, en fait, va aller voir ces personnes qui sont donc soit dans la rue, soit des personnes vivant en caravane ou dans des aires des gens du voyage, et donc leur faire répondre au questionnaire par le biais d'un interview.